C'est le grand jour, nous y sommes dans 90 minutes, peut-être un peu plus s'il y avait des prolongations. On connaîtra l'identité des nouveaux rois d'Europe. On est très heureux, vraiment, Pierre et moi-même. Il est passé. Le gardien est sorti très vite. Oui, il n'a pas laissé le temps à l'attaquant de s'organiser. Riyad Mahrez. Ah non, 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 ça va s'arrêter là. Il y a le drapeau qui s'est levé, alors je signalais. On a du mal à s'en sortir, on dirait. Le bon ballon donné par-dessus. Ah ouais, bien donné en profondeur. N'Golo Kanté. Mahrez. Oh, personne pour l'arrêter. Et attention. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour le Real. Les joueurs du Real qui frappent les premiers dans cette finale de l'UEFA Champions League. Eh ouais, pour un énième trophée peut-être. A commencer par ce très bon centre. Entre, on est en train de revoir tout ça. Après, bah, c'est juste génial, hein, le coup d'œil, l'ancrage du pied à l'appui et la reprise jambe tendue, nickel. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Il a trouvé João Félix. Le gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. L'arbitre indique le poteau de corner. Et bien tiré ce corner. Un mauvais dégagement mal fait. Allez, il peut s'échapper là. Yann Oblak sans problème. Allez, bien joué par-dessus. Riyad Mahrez. Il est contré cette frappe. Le gardien qui se frise, hein, sur cette tête. Hein. Ah, t'aimes ça les bouclettes, hein ? Ouais, c'est un arrêt facile. Kanté, et il a perdu le ballon. Ouais, le Real qui récupère la balle. Kylian Mbappé qui centre. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Riyad Mahrez. Oh, le numéro qu'il nous fait, et ça va être dangereux. Kylian Mbappé, il stoppe son action, il était hors jeu. C'est la référence absolue, hein, bien sûr, en Ligue des Champions, sur Real Madrid. Ouais, dans l'histoire de... Bon, attention, c'est pas fini. Cristiano Ronaldo, second poteau. Ah non, c'est mal exploité. L'entraîneur qui, visiblement, a demandé du pressing. Marcos Llorente. João Félix. Luis Suarez. Ah non, c'est pas bien fait, ça. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. La passe pour João Félix. Suarez. Toujours Carrasco. Pereira Carrasco. Oh, il a enrhumé le défenseur. Il s'empare du ballon. Riyad Mahrez. Le ballon qui est sorti, ça va être une sortie de but. Ça, c'est sûrement le tournant du match. Hein. On revoit ce but. Très belle volée sur la gauche que le gardien ne peut stopper. Parfait.
Le Real qui a remporté l'UEFA Champions League à de nombreuses reprises ces dernières années et qui détient bien sûr le record du nombre de victoires dans la compétition. Et avec une belle avance sur leurs poursuivants. Hein. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas prêts d'être rejoints. Ouais, bon arrêt tranquille sur cette tête. Ça part au deuxième poteau. Eh oui, il y est. Ouais, l'arbitre assistant a signalé une position de hors-jeu avant le but. Marcos Llorente. João Félix. Lemar. Oui, le centre peut-être. Attention, elle a réussi à passer. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Lemar. Le ballon qui change de camp après cette bonne intervention. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Ballon donné sur l'aile. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. En profondeur, oui, bien vu. Llorente. Luis Suarez. Quand l'Atlético rencontre le Real, ça concerne bien sûr toute la ville de Madrid. Ouais, en championnat, c'est devenu très équilibré entre les deux équipes. En Champions League, en revanche, sauf exception. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Mbappé. Le Real Madrid qui s'approche du but. Il a débordé la défense. Oh, ça y est, le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. Corner de Kanté vers le point de pénalty. Ouais, ça va sortir. Corner. Corner de Kanté, bien frappé. Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo. Ah, la belle occasion qui ne donnera rien. C'est une sortie de but. C'est une perte de balle pour le Real. Ok. C'est N'Golo Kanté qui intercepte. Riyad Mahrez. Allez, il est en bonne pointe. N'Golo Kanté en situation de marquer peut-être. Et le ballon qui est au fond. Et ça fait deux buts d'avance. Ça fait deux buts d'avance. Regardez, c'est du délire chez les supporters. Oh, elle se présente très très bien à cette finale. Le ralenti sur cette action avec un centre pour trouver quelqu'un dans la surface. Il est repris de la tête. Trop tranquille. Les défenseurs sont quand même aux fraises complets sur cette action. Suarez. João Félix. Pour Suarez. Ok. Marcos Llorente entre dans la zone dangereuse. Tentative de loin, pas de souci pour le gardien. Atlético qui perd le ballon. Avec des chiffres de... Ouais, il est passé. Attention, ce n'est pas terminé. Il place une tête imparable. A commencé par ce très bon centre. On est en train de revoir tout ça. Et la conclusion de la tête, le gardien est battu. Le but sous un autre angle. Ce match qui vire à la démonstration dans cette première période.
Allez, c'est dégagé. C'est dégagé devant Kylian Mbappé. Ça peut aller vite. Ça va aller vite. Ouais, le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger. Ouais, il est marqué directement. On donne le ballon à l'équipe adverse. Un petit peu étrange. Allez, dans la surface, il y a du monde. Oh, le ballon dangereux. Ouais, qui file en corner. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Bon, attention, c'est pas fini. N'Golo Kanté. Il cherche un coéquipier dans la surface. Ça part au deuxième poteau. Ah, le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Kylian Mbappé. Et il perfore la défense. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Dépossédé du ballon à l'Atlético. Kylian Mbappé qui centre. Il va y avoir un corner. Ouais, bien tiré ce corner. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Riyad Mahrez. Et non, le tir qui est contré. Et corner.